Et bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, vous allez voir, Anna va enfin rencontrer mes parents. On va passer vraiment de bons moments là-bas. Ensuite, on va également visiter Lyon. Je vais lui faire découvrir parce qu'elle ne connaît pas. Et puis après, je vais redécorer un petit peu aussi mon camping-car. Donc, je vous laisse découvrir ça dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui est un jour assez spécial parce que Anna va rencontrer mes parents. Donc je suis assez impatient, j'espère que ça va bien se passer. Donc je pense qu'il n'y a pas de raison. Ça va me faire bizarre de lui montrer les endroits où j'ai vécu. Et puis après on va sûrement visiter aussi Lyon parce que c'est une très belle ville, surtout qu'elle n'a jamais visité. Donc ça va être l'occasion de lui faire découvrir un petit peu cette ville. Et peut-être que vous non plus vous connaissez pas, donc je pense que ça va vous plaire. Là on a passé une nuit à Saint-Symphorien-de-Laye. Sur un parking, alors c'est un parking qui fait aussi stade de foot les vendredis, mais on a le droit de se garer. Donc on a quand même bien dormi malgré qu'il y avait un petit peu de trafic. Mais bon, pour une petite étape, c'était sympa. Là, le corps il est content, il va retrouver papy et mamie, n'est-ce pas? Bah ouais. Hop, avant de partir, hop, je coupe le gaz. Je vais voir si ma petite femme est prête. Alors mon cœur, tu es prête? Ouais, faut juste aller chercher Nani. Ouais, ah oui, faut qu'on retrouve Nani avant. Parce que je pense qu'il est en train de, il est en train de faire la sieste dans un buisson, donc. Prête à rencontrer mes parents? Oui. Un peu intimidé? Oui. Ça va bien se passer. Oui. Bon, bah allez, c'est parti. Un petit coup de klaxon. Allez, en route. Ce matin, je suis en train de sortir mon gros toutou. On n'est pas très loin de chez mes parents. Encore un petit peu de nature. Il y a quelques prés ici. Mais bon, c'est vrai que la ville commence à prendre le dessus. Hier soir, on a passé vraiment une super soirée. Donc, Anna a rencontré enfin mes parents. Et ça s'est super bien passé. On a bien rigolé. On a bien profité parce qu'ils ont une petite piscine. Donc, on a pu mettre les pieds dans l'eau. C'était super On a sympa. réussi à se garer tous les deux sur le petit terrain. C'est vrai qu'ils n'ont pas un très très grand terrain. Donc c'est un petit peu serré, mais bon, ça va quand même, on a réussi à rentrer deux camping-cars. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que cet après-midi, on va aller visiter Lyon. On va essayer de voir le vieux Lyon, Bellecour, tout ça, le Fourvière sûrement. Ça va être mon papa qui va nous déposer. En camping-car, c'est un petit peu galère, puis il y a des zones de pollution, donc on ne peut pas aller de partout. Même pour se garer, c'est pas évident en pleine ville. Donc mon papa s'est proposé de nous déposer, donc on va pouvoir visiter comme ça. Regardez ici, il y a plein de murs. J'en ai goûté quelques-unes et elles sont plutôt bonnes. Regardez, il y en a partout, partout là-bas. C'est un petit peu haut pour les attraper. Mais elles sont vachement bonnes. Il y en a quelques-unes qui sont un petit peu encore acides. Il y en a vraiment tout le long, tout le long, tout le long. Plein de buissons. C'est vrai qu'étant gamin, j'adorais les ramasser. Enfin, j'aime toujours d'ailleurs. Mais cette année, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Alors je me demande si c'est pas dû à cause de toute la pluie qu'il y a eu. Ça va peut-être aider à pousser parce que c'est vrai que je n'avais jamais vu autant de buissons ici. Bon, et après cette petite balade, et ben on va rentrer à la maison, retrouver les camping-cars. Ça, je vais vous montrer un petit peu comment on a pu se garer. Voilà comment on s'est mis. On prend toute la place. Et c'est l'heure du petit-déj. Mon gros toutou. Tiens, mon gros toutou. Ça, c'est pour fêter nos 1 an de vie commun, on peut dire ça, que je t'ai adopté depuis 1 an. Mange pas ça trop vite quand même. Alors, ça te plaît?
C'est cool ça. Avec son petit tapis de papy. C'est son tapis quand il vient chez les grands-parents. Hein? Ouais. On n'est pas bien chez papy et mamie là? Ok, elle a l'air d'aimer ça. Et du coup, ma maman nous a proposé de faire du linge, donc on va en profiter. On a pas mal de linge à faire, donc ça va être l'occasion. Et du coup, je vais en profiter également pour installer mes nouvelles housses. Vous savez, j'ai acheté des petites housses de matelas de bébé que je vais mettre du coup sur mes banquettes. C'est des petites housses comme ça que j'avais acheté à Action. Hop. Donc je vais installer ça. Donc je vous fais un petit avant-après. Et voilà ce que ça donne. Ça rend plutôt bien. Je trouve que ça fait même un camping-car un peu plus récent du coup. Ça fait moins vieillot. Voilà. Ça, je serai tranquille pour les laver. Ce sera plus facile à nettoyer qu'à chaque fois laver les coussins parce que comme ça s'enlève pas, le problème c'est que ça sèche pas. Une fois j'avais fait au Karcher, ça avait mis plusieurs jours à sécher. Donc là, ce sera plus facile à nettoyer. Et j'en ai pris un aussi pour le matelas à Falcor, parce que c'est vrai que là il n'y en avait plus, l'autre s'était déchiré. Donc je vais l'installer aussi. Et le voilà en place. Voilà, comme ça il va pouvoir avoir une couche bien propre, nickel, avec une petite housse que je pourrais laver également. T'es content gros toutou? Hein? Bah ouais. Un lit tout propre, tout neuf. Il me reste plus qu'à installer aussi le tapis que j'avais acheté. Je suis content parce qu'il fait pile poil la taille. Vraiment juste juste. Pile poil pour l'entrée. Moi, je vous avoue que j'avais fait le test avec le tapis d'Anna parce que c'est vrai qu'elle a exactement le même du coup. Enfin, c'est moi qui ai exactement le même. J'ai acheté le même, c'est vrai qu'il était pas cher chez Action. Mais c'est plutôt pas mal. Comme ça, au moins, bah, toute la poussière bah, ne rentrera pas ailleurs. On pourra bien se frotter les pieds avant de rentrer. Parce que c'est vrai que j'ai aussi ce petit tapis que je mets ici. Hop, et bon, il est un peu petit pour frotter les pieds. C'est vrai que là, il n'y a pas une grande distance entre là et là. Les pieds ne rentrent pas facilement. Et puis en plus, il y a le joint, donc c'est pas évident de se frotter les pieds. Là, au moins, ce sera plus simple. Avec ma petite serpillière pour les jours de pluie. Hop, voilà, que j'installe ici. Et ben voilà, je suis plutôt content de cette nouvelle installation, cette nouvelle déco plutôt. Ça rend plutôt bien. Donc, je suis bien content. J'ai reçu aussi un colis de Ibrahim et il m'a envoyé en fait un post, il m'avait dit sur les réseaux, parce que le mien était en panne, donc je vais l'ouvrir. Voilà, bah franchement c'est trop sympa à toi Ibrahim de m'avoir envoyé ton post, que tu m'as dit que tu t'en servais pas et que ça te dérangeait pas de me l'envoyer. Bah, un grand merci à toi, parce que c'est vrai que le mien il déconne. D'ailleurs fonctionne un petit peu, mais par moments ça recommence, ça saute. Donc à l'occasion, bah, je changerai, je mettrai celui-ci. En tout cas, encore un grand merci à toi. Franchement, c'est vraiment adorable, ça me touche beaucoup. Voilà, le linge est sec. Ma maman a été trop gentille. En plus, elle me l'a plié, elle me l'a rangé dans le sac. Donc, il me reste plus qu'à le ranger dans les placards maintenant. En plus, ils nous ont même proposé de prendre une douche chacun. Donc, c'est super, super cool. Ça fait longtemps que j'en ai pas pris une vraie douche. C'est vrai qu'on se lave toujours au gant de toilette. En plus, là, il a refait tout à neuf, mon père. Il l'a fait lui-même. Franchement, il a passé vraiment beaucoup de temps à le faire et ça rend vraiment super bien. Une douche toute neuve. C'est vrai que mon père il a fait beaucoup de travaux tout seul dans sa maison. C'est un bon bricoleur. Et franchement, il fait des chouettes choses à chaque fois. En tout cas, je sens que je vais apprécier la douche. Et voilà, tout beau, tout propre. Et ben, ça fait vraiment du bien. C'est vrai qu'une bonne douche, des fois, ça fait du bien de temps en temps. Et maintenant, on va prendre un bon petit repas avec une pisse saladière que ma mère a fait. Fait Papa maison. aussi, hein. Papa aussi. J'ai participé, hein. J'ai mis les olives et à 70%. En tout cas, ça a l'air bien bon, on va se régaler, je pense. Et du coup, maintenant, on va manger des bonnes petites brochettes avec des patates, cuites par le cuistot. Bon bah du coup nous voici place de la, non, rue de la République et on se dirige place Bellecour. Donc, je vais te faire découvrir un petit peu Lyon, oui. Voilà, que je connais un petit peu mieux que toi, parce que t'es jamais venu. Je connais pas du tout. Voilà. Donc, je pense qu'on va bien se balader, tu vas faire une vidéo toi également. Oui. Sur Lyon. Donc je te laisserai découvrir sur sa chaîne. Anne Bella Coccinelle. Petite pub.
Du coup, bah, c'est décidé, je vais retirer les pare-boue. Ça va vraiment lui donner un look un peu plus sportif. Donc je vous fais un petit avant-après. Et voilà ce que ça donne. Donc j'ai tout retiré, j'ai commencé aussi à régler un petit peu la potence. Je l'ai baissé parce qu'elle était trop haute. Je commence à nettoyer aussi ici. Il reste encore les roues à nettoyer et quelques endroits encore un petit peu durs d'accès. Mais ça commence à prendre forme, je suis bien content. C'est vrai qu'il est quand même beaucoup plus sportif comme ça. Ça fait vraiment un vélo de course. En tout cas, Nani et Choupette, eh ben, ils s'entendent plutôt bien. C'est vrai que c'est une femelle, mais c'est un mâle castré, donc il n'y a pas trop de raisons qu'ils se battent. Souvent, c'est avec les mâles non castrés que ça se passe mal. Mais là, ils sont plutôt cool. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous as préparé, papa? Une moussaka. Une moussaka. La vraie de vraie. Fait maison. Ah, tout à fait. Du coup, tu as préparé ça avec du riz. C'est ça. Bah, ça a l'air bon. Et merci. Bon, bah, en tout cas, un bon appétit à tous si vous êtes à table. Bon appétit. Alors, que penses-tu de la moussaka de mon père? Délicieuse. Mais une note sur 10? 15. 15 sur 10. Oh là là. Ça me devrait être une bonne note. Du coup, il y a ma maman qui m'a fait une boîte à couture. Une boîte à couture maison. Et tu m'as mis plein de trucs dedans. Du fil. Donc ça, c'est les aiguilles. Aiguilles et boutons. Oh. Bah, merci beaucoup. Ah, il y a même des boutons. Et plusieurs aiguilles, plus grosses et plus fines. Oh, bah super. Bah, comme ça, je vais pouvoir coudre. Merci, maman. De rien. Et là, nous avons mon ancienne voiture. C'est une Citroën ZX bah, que je vais sûrement vendre parce que j'en ai plus trop l'utilité. Là, je l'ai remis un petit peu en route parce que ça faisait quelques mois qu'elle n'avait pas tourné. Et la batterie était un petit peu déchargée. Donc, j'ai branché mon petit chargeur. Là, je suis en train de recharger la batterie. C'est une petite voiture, c'est un 1 litre 6 essence qui tourne plutôt bien. Elle roule même à l'éthanol. Bon, du coup, le contrôle technique est dépassé, mais je pense que je vais la vendre comme ça parce que j'ai pas trop le temps de m'en occuper. Même si je sais qu'elle va passer parce qu'au dernier contrôle technique, il n'y avait pas eu de soucis. Et depuis, elle a pas beaucoup roulé. Là, il y a deux pneus dans le coffre, c'est les pneus été parce qu'à l'avant, on avait monté des pneus neige. Donc, il y a les pneus qui sont tout neufs à l'avant. J'ai un petit peu triste de m'en séparer, mais bon, c'est vrai que j'en ai plus trop l'utilité. Bon, il y a la peinture qui s'écaille un petit peu, ça, c'est le vernis qui part. Mais bon, sinon, à part la peinture qui est un petit peu qui s'arrache, quoi, sinon, elle était quand même en bon état. Ça me fait un petit pincement au cœur si je dois m'en séparer, mais bon, là, ça prend de la place dans le terrain de mes parents. Et au final, je l'utilise pas, quoi. Je vais aussi vendre mon radiateur parce que il est trop gros pour le camping-car. Je pense que j'essaierai d'en trouver un qui est plus fin, qui me prend moins de place. Et puis mes deux vélos, donc le petit Peugeot qui est là, et l'autre aussi c'est un Peugeot. Donc je vais les vendre aussi. Pareil, c'est des vélos qui sont en super état, ça me fait un petit pincement au cœur. Mais bon, j'en ai déjà un dans le camping-car, là ça en fait beaucoup. Donc ça sert à rien que je les garde, s'ils roulent pas, c'est dommage quoi. Autant que quelqu'un les utilise. Donc je pense que je vais les mettre sur le bon coin. Bon, maintenant que la batterie est chargée, je vais le redémarrer. Voilà. Elle démarre super bien. Ouais, c'est une bonne petite voiture, ça ne consommait pas beaucoup en plus. Bon bah après avoir passé de bons petits moments avec ma petite famille, et ben bah maintenant on va y aller, on va reprendre notre route. Et comme vous le savez, il y a l'anniversaire de mon fils bientôt. Et bah du coup on va aller du côté de Valence parce que c'est là-bas qu'ils vont le fêter dans la famille. Et donc on va aller voir un petit peu le coin là-bas, se balader, visiter. Allez, en route, c'est parti! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc dans la prochaine vidéo, je vais continuer la restauration du vélo pour pouvoir l'offrir à mon fils, parce que c'est bientôt son anniversaire. Et puis on a visité aussi le château de Crussol. Donc je vous laisserai découvrir ça dans la prochaine vidéo. En tout cas, si celle d'aujourd'hui vous a plu, bah, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.